Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'Info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et poli. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Burkina Faso, formation des nouveaux VDP. Le gouvernement a lancé en octobre 2022 le recrutement de 50 000 supplétifs civils de l'armée et a reçu plus de 90 000 candidatures. Dans son discours du Nouvel An 2023, depuis Solenzo, le capitaine Ibrahim Traoré a rendu hommage aux vaillants soldats volontaires pour la défense de la patrie. Il a affirmé que le processus de formation est en cours pour les VDP nationaux et prendra fin d'ici quelques semaines. Pour ce qui est des VDP communaux, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'ils ont déjà été installés et une bonne partie déjà équipée. Nous, les VDP, assurons que nous les équiperons, nous les formerons tous et nous les accompagnerons dans leurs tâches, a assuré le président de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré a loué cet élan patriotique. Nous ne saurons les saluer et je puis vous assurer que nous mettrons tous en œuvre pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle dans cette guerre, a ajouté le chef de l'État. En décembre dernier, le Parlement de la transition a adopté l'unanimité une nouvelle loi sur les supplétifs civils. Celle-ci prend en compte les VDP nationaux en élargissant leur champ d'action et donne un cadre juridique à la BVDP en tant qu'organe central, l'administration de cette supplétive de l'armée. Merci. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.